Jeudi économie. Jeudi économie. Jeudi économie. Économie, économie. Finance, dirigeant, banque, assurance, conseil audit, marketing, communication, industrie et technologie. Jeudi tout cela dans Jeudi économie. Jeudi économie. Jeudi économie, c'est chaque jeudi de 12h à 13h sur Radio Algérie Internationale. Jeudi économie. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission économique, Jeudi Économie. Le développement de l'intelligence économique en Algérie est primordial pour les entreprises algériennes confrontées à la mondialisation et une concurrence accrue. Les entreprises algériennes doivent intégrer le processus de l'intelligence économique dans leur management afin d'améliorer leur compétitivité et suivre les mutations économiques mondiales. L'intelligence économique est-elle appliquée au sein de nos entreprises? C'est la question de ce numéro de Jeudi Économie. Mes invités sont Ben Hafissam Zoubida, doctorante à l'école des hautes études commerciales. Est avec nous également Monsieur Belkacmi Mhand Amoukran, maître assistant à l'école des hautes études commerciales. Travaille également sur l'intelligence économique de manière générale et allemande plus précisément. Est avec nous également Iman Haddad, maître assistante à l'école des hautes études commerciales. Est avec nous également Ladjouzi Soumia, doctorante à l'école des hautes études commerciales. Merci à mes invités d'avoir accepté notre invitation. Le concept d'intelligence économique n'a fait son apparition que récemment en Algérie. Voulez-vous, Monsieur Belkacmi, nous dire en quelques mots en quoi consiste-t-il? Ok, merci. D'abord, je remercie la Radio d'Algérie de nous avoir donné cette chance de participer à vos débats si intéressants en économie. Voilà, l'intelligence économique, pour être très clair, précis, c'est trois choses. C'est tout d'abord permettre à tout organisme économique, qu'il s'agisse d'une entreprise ou d'un ministère ou toute entité économique, d'être éveillé, c'est-à-dire savoir ce qui se passe dans son environnement d'une manière perpétuelle. Voilà, c'est détecter les informations pertinentes pour les intégrer dans les processus de décision, d'innovation, etc. Deuxièmement, l'enjeu majeur actuellement, si vous êtes un petit peu, je crois que vous êtes au courant, avec les dangers de protection qui existent, développer une contre-intelligence, c'est-à-dire protéger l'information qui a été produite par le système de veille. Troisième chose, le volet aussi important, c'est un volet offensif, c'est l'influence. De quoi s'agit-il cette influence? Tout d'abord, c'est de la publicité, chose très banale dans cette entreprise. Deuxièmement, influence dans un champ concurrentiel. Là, s'il s'agit de développer des activités d'influence, de découragement, de coopération avec les leaders, avec les concurrents. Et troisième chose, très très important, c'est lobbying, c'est-à-dire il s'agit d'influencer les pouvoirs publics pour les prendre de décisions pour le bon escient du tissu économique et industriel national. Madame Belhafissam, donc est-ce qu'il s'agit ici, on parle de détecter peut-être l'information ou détecter peut-être un quelconque motif dans cette entreprise. Qu'est-ce que justement, est-ce qu'on doit utiliser des outils donc spécialisés pour au sein de cette entreprise pour développer le concept de l'intelligence économique? On vous remercie pour l'invitation. Merci à vous. Donc, par rapport à l'intelligence économique, il est important, comme l'a dit Mohand, de collecter, de traiter, d'analyser l'information. Voilà. Est-ce qu'on utilise des outils pour ce faire? Il existe plusieurs outils. Il existe des méthodes, il existe des logiciels, il existe plein de choses dont on parle du côté technique. Voilà. Cependant, je pense qu'il y a un aspect que l'on néglige, qui est celui des ressources humaines. Voilà, on parle souvent, on dit oui, la ressource humaine est importante. On parle beaucoup du côté technique et après on dit la ressource humaine est importante. Or, la ressource humaine est celle qui importe le plus au sein de l'entreprise. Et celle-ci qui peut nous apporter une information et une intelligence, parce que c'est l'être humain qui est symbole de cette intelligence-là, et bien cette ressource-là est négligée. Pour revenir aux outils aussi, il faudrait savoir aussi que les PME sont très importants dans le tissu économique. Oui, bien sûr. On peut s'appuyer sur les PME pour rebondir.
On dit que ces PME-là ne disposent pas de beaucoup de ressources. Oui, c'est vrai, mais elles disposent de deux ressources très importantes, qui est la ressource humaine. Oui. Si on introduit une bonne culture de cette entreprise-là, on peut partir sur de bonnes bases pour l'épanouissement de cette entreprise, donc de l'économie. Mais aussi, ces entreprises-là, il faut intégrer l'intelligence économique au sein de ces entreprises, de ces PME. Mm-hmm. On dit qu'il faudrait beaucoup de ressources, mais là, à nos jours, il y a Internet, par exemple, où on peut voir sur les réseaux sociaux, on peut avoir beaucoup d'informations. Oui. On peut avoir à travers les commentaires, par exemple, de Facebook, savoir ce que pensent les consommateurs de nos concurrents, de leurs produits. Qu'est-ce qui leur plaît autant pour essayer de le copier, de le contrer? Qu'est-ce qui ne leur plaît pas? Quelle est la critique pour qu'on l'utilise à notre avantage? Oui, Madame Ladjouzi. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. D'abord, bonjour et merci pour l'invitation. Merci. Alors, je reviens rapidement en amont. Quels sont les facteurs qui ont rendu d'abord primordial la veille stratégique et l'intelligence économique? Alors, on peut parler de plusieurs facteurs. Parmi ces facteurs, d'abord, la mondialisation des échanges, l'intensification du jeu concurrentiel, mais aussi le développement des TIC, technologies d'information et de communication. Ainsi que le développement du numérique. Alors, pour répondre à votre question, d'abord, il faut savoir en fait historiquement parlant, il y a eu le développement de la veille stratégique et de l'intelligence économique lorsqu'il y a eu le développement en parallèle des technologies d'information et de communication TIC. Alors pour ce qui est concept d'intelligence économique, donc en fait c'est un concept nouveau, bien que son utilisation en pratique est une pratique plutôt ancienne. Oui. Donc on doit comprendre avant tout que l'intelligence économique est un état d'esprit, mais aussi une démarche pluridisciplinaire collective qui suppose avant tout la modernisation de nos comportements. Par exemple, on parle en termes de partage d'informations. Alors, l'intelligence économique favorise une culture de partage d'informations. Alors, pour ce qui est outils, ben, effectivement, il y a des outils de veille. Il y a des outils gratuits. Il y a également des outils payants. Alors, lorsqu'une entreprise commence, alors au bout de la première et de la deuxième année, elle peut aller vers le gratuit. Mais après la deuxième année, normalement, elle se dirige plutôt vers le payant parce qu'il présente plus de ponctualité, de mise à jour, etc. Le payant ou le gratuit, en quoi? Au juste, en quoi? En matière de sécurité, en matière de sécurité, de concurrence, bien sûr. Alors, de vérification. Le payant, il présente plus d'avantages concurrentiels. Mm-hmm. Alors le gratuit, il est accessible à tout le monde. Par exemple, Google Alert. Alors, il ne présente pas vraiment un avantage concurrentiel pour l'entreprise. Par contre, le payant, il présente un avantage concurrentiel concernant donc l'aspect sécurité. Même pour l'aspect sécurité. Mm-hmm. Oui, Madame Haddad, donc en Algérie, quelle est la place qu'occupe l'intelligence économique au sein des entreprises algériennes? Très bien, bonjour et merci de votre invitation. Avant de parler de l'état de l'intelligence économique au niveau des entreprises algériennes, il est important de dire que l'intelligence économique, d'une manière générale, reste à son état embryonnaire dans notre pays. Et pour répondre à votre question, l'état de l'intelligence économique au niveau de notre pays, il est important de dire que nous avons mené une enquête auprès de 7 grandes entreprises nationales qui pratiquent l'intelligence économique à travers des entretiens individuels auprès des professionnels. Et cette étude nous a mené à faire plusieurs constats. Oui. Notamment, donc en premier lieu, nous avons remarqué qu'il y a une confusion au niveau du concept. Donc, en posant la question aux chefs d'entreprise et quelques managers, ils n'ont que des notions générales et globales sur ce qu'est l'intelligence économique. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, d'aucuns confondent toujours entre l'intelligence économique, qui est une pratique légale, et l'espionnage industriel, qui est en quelque sorte déloyal. Sans parler de la confusion entre l'intelligence économique, la veille stratégique, etc. D'un autre côté, il est important de signaler que l'intelligence économique au niveau des entreprises est pratiquée d'une manière implicite, ne permettant pas aux entreprises de dégager des résultats satisfaisants et d'acquérir l'information à caractère surtout économique, lui permettant de rivaliser avec les opérateurs économiques existants sur le marché et faire face à la concurrence. Oui. Ça, c'est d'une manière générale. Et ceci est dû à un manque de formation, même si l'État avait mis en place un manuel ou bien un guide de formation en matière d'intelligence économique pour relier en quelque sorte le monde professionnel et le monde universitaire. Donc ce guide qui a été réalisé avec la collaboration du ministère de l'Industrie, de la PME et de la promotion aux investissements, avec
une quinzaine d'entreprises publiques et 9 entreprises privées, sans oublier le cabinet Veitech. D'ailleurs, mon collègue Mohanda Mokharan, il a bien assisté à ces séances de conception de ce manuel, donc qui vise à donner un programme indicatif de modules de formation destinés aux cadres spécialisés dans l'intelligence économique. Le but de ce manuel, c'est de répondre aux besoins du marché algérien en matière d'intelligence économique. Mais malheureusement, nous enregistrons des défaillances et des lacunes majeures toujours au niveau à ce stade-là. Justement, Monsieur Belkacmi, comment évaluer le concept? Est-ce que le concept de l'intelligence économique est, disons, développé au sein de nos entreprises? Voilà, c'est une bonne question. Je trouve que, bon, disons qu'en Algérie, en matière de conceptualisation, c'est à partir de 2000 officiellement qu'on a commencé à parler de l'intelligence économique avec les séminaires qui étaient organisés par le World Trade Center of Algeria. Il y a eu des assises nationales. Voilà, il y a eu des assises nationales d'intelligence économique. C'était dans le cadre du lancement du concept par le ministère de l'Industrie et de la Promotion des Investissements. Le problème qui s'est posé, c'est que on est resté dans une logique équipementière. C'est-à-dire on avait tendance à expliquer aux managers algériens que l'intelligence économique se faisait avec les logiciels. Voilà, malheureusement. Et pourquoi ce problème-là? Parce que malheureusement, je l'ai dit franchement, quand on a fait appel aux experts, on a fait appel à certaines boîtes étrangères qui faisaient de la promotion pour leur logiciel, malheureusement. Il y avait un bureau algérien qui a fait appel à ces experts-là, et quand ils sont venus, ils ont commencé à parler de veille à travers des logiciels, etc. Il faut penser d'abord que l'intelligence économique, c'est un état d'esprit. On peut le faire sans logiciel, c'est-à-dire en commençant par les réseaux. Les logiciels ne sont que des supports pour dynamiser un petit peu ce processus d'intelligence économique. On a fait une étude auprès de cette grande entreprise, comme l'a bien précisé ma collègue et amie Imen Haddad. Nous avons remarqué que certains confondent même entre l'intelligence économique et l'espionnage industriel. Tout à fait. Il y a de grandes entreprises. Quand on a fait ces entretiens, je commençais à leur parler. C'est quoi l'intelligence économique? Ils me disaient c'est de l'espionnage industriel. Oui. Or que l'espionnage industriel ne rentre pas du tout dans le champ d'application de l'intelligence économique. L'intelligence économique est une activité qui est à 100% légale. Voilà. Et qui justement a des objectifs économiques. Bien sûr, elle a des objectifs économiques. Pour revenir sur la question, pour vous dire qu'on nous sommes très très en retard, on a commencé à parler d'intelligence économique aux États-Unis. En Angleterre, depuis les années 50. Commencer à parler de competitive intelligence, business intelligence. En Allemagne, on n'a pas commencé à parler de ce concept-là au 19e siècle. Oui. Voilà. On a créé un centre d'information où toutes les informations étaient centralisées au 19e siècle. Vous vous rendez compte, c'était pour faire face un petit peu à la concurrence britannique. Donc, nos entreprises sont-elles à la page pour justement bien développer le concept de l'intelligence économique? Justement, par rapport à cela, nous ne sommes pas encore compétitifs au niveau international. À ce niveau-là, il y a même l'État qui a mis le paquet. Nous avons, comme l'a dit Mme Haddad, l'État, le ministère des PME, qui a mis en place un programme avec l'Union européenne à partir de 2009 pour former justement, je reviens à mon idée précédente qui est de passer des PME par des PME, pardon, et donc, on a essayé de baser cette formation-là sur un côté fonctionnel et un côté opérationnel. C'est-à-dire comment collecter, traiter, analyser et partager cette information d'un point de vue offensif, c'est-à-dire comment percer sur le terrain, mais aussi défensif, c'est-à-dire se protéger. Ensuite, on est passé au côté opérationnel. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, quels sont les outils à utiliser? Oui. Comment faire si on ne dispose pas de ces outils-là? Comme l'a dit Mohand Belkacmi, ici présent, et que nous avons fait appel à des formateurs qui étaient là pour faire de la promotion beaucoup plus que pour former. À partir de ce moment-là, nous avons vu que, étant donné que le but était d'être compétitif d'abord sur le marché national pour ensuite s'attaquer à l'international, nous avons vu que le but n'a pas été atteint. Et donc, on a essayé de reconsidérer cette optique-là et mettre l'intelligence économique au milieu. Et donc, opter pour un côté innovateur. Le problème aussi qui se pose, c'est qu'on doit s'adapter à ce changement. Comme vous l'avez dit, nous sommes ouverts au marché, au marché international. À partir de ce moment-là, on doit changer parce que nous sommes dans un environnement qui change. Le client devient de plus en plus exigeant. Il faut faire aussi de la veille stratégique. Il faut être intelligent partout, sur tous les niveaux. Et pour changer, il faut s'adapter. Et pour s'adapter, il faudrait alors
mettre, que l'entreprise mette à son avantage toutes ces optiques-là, entre autres, comme je le disais tout à l'heure, les ressources humaines. Parce que pourquoi on a une optique de gestionnaire et non de manager ? On essaye d'être autoritaire, de ne pas comprendre. Or, quand on change, le problème de l'incorporation de l'intelligence économique est de faire accepter le concept changement aux ressources humaines. Parce qu'il est difficile de dire à un employé, vous ne faites plus les choses ainsi, il faut les faire autrement. Oui. À partir de ce moment-là, il faudrait expliquer pourquoi l'on change. Il faudrait aussi laisser place à l'innovation, aux propositions, surtout quand on a des collaborateurs, experts, connaisseurs dans le domaine. Oui. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra être compétitif. C'est donc au niveau non seulement technique, mais aussi la dimension humaine. Madame Ladouzi. Très bien, donc en fait, je rejoins l'idée de mes collègues. Donc effectivement, l'intelligence économique est un nouveau domaine en Algérie qui est en train d'être mis en place. Mais l'Algérie a pris vraiment beaucoup de retard dans la mise en place de tels dispositifs. Donc à mon avis, nous sommes encore à nos débuts dans le domaine. Donc ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, le ministère de l'Industrie est en train de mettre en place des dispositifs pour sensibiliser les PME, par exemple, et les entreprises d'une manière générale sur l'importance de la veille stratégique, de l'intelligence économique, etc. D'ailleurs, il y a même quelques entreprises algériennes qui sont engagées dans la mise en place des cellules de veille stratégique. Donc, je peux vous citer un exemple. Il y a, par exemple, des entreprises du secteur mécanique, la fabrication des médicaments. Il y a également les services financiers. Il y a à peine quelques entreprises. Travaux publics aussi. Travaux publics également. Il y a quelques entreprises et aussi l'électroménager. Donc ça, d'un côté. Alors, d'un autre côté, il y a également les grandes entreprises algériennes, telles que Sonalgaz et Sonatrac, qui sont en train d'instaurer des cellules de veille stratégique. Mais le côté opérationnel, il n'y a pas vraiment grand-chose. Voilà, je voulais apporter juste cette petite précision. Justement, quel est l'avantage ou le plus que procure justement l'intelligence économique à l'entreprise qui la déploie ? Madame Haddad. Oui, donc l'intelligence économique constitue le cadre privilégié d'observation des évolutions du marché concurrentiel en Algérie ou bien partout dans le monde. Elle permet à l'entreprise et aux acteurs économiques de se doter de capacités de réactivité par rapport à la concurrence. Donc en quelque sorte, elle permet à l'entreprise d'avoir un avantage concurrentiel, d'avoir l'information économique en temps réel et en moment opportun pour développer son système d'imitation en système d'innovation, par exemple. D'ailleurs, on doit en quelque sorte se protéger en innovant à travers des brevets. Donc il faut toujours s'intéresser et chercher quels sont les derniers brevets de nos concurrents. Oui. Donc c'est dans ce sens que l'intelligence économique peut apporter un avantage concurrentiel à toutes les entreprises nationales. Monsieur Belkacemi, on constate l'organisation de beaucoup de séminaires, de rencontres concernant l'intelligence économique. Est-ce que l'objectif est atteint de vulgariser le concept, surtout chez les PME? Je dirais que non, malheureusement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes toujours restés dans une logique équipementière. Il n'y a pas beaucoup de PME qui ont mis en place ce dispositif. Bon, parlons de grandes entreprises. Il y a, je crois, une 14 à 15, j'ai oublié le chiffre. Au niveau gouvernemental aussi, c'est une critique que je vais vous faire. L'intelligence économique ne se fait pas au niveau d'un seul ministère. L'intelligence économique est une démarche gouvernementale. C'est tous les ministères qui doivent se mettre à la page. Et c'est une démarche qui est horizontale beaucoup plus que verticale. Par exemple, le ministère des Finances a dernièrement mis en place, une cellule de prospective. Mais les autres ministères, par exemple, à l'exemple du ministère de la Recherche scientifique, ministère de Commerce, n'ont pas pensé à mettre en place ce dispositif. Au niveau des PME, on fait de la veille, mais implicitement. C'est-à-dire qu'on n'a pas pensé encore à créer ces cellules de veille organisées où on fait de la veille quotidiennement. Voilà. C'est-à-dire qu'on fait, par exemple, de la recherche marketing. Le marketing, c'est un outil de veille, par exemple. C'est une veille commerciale, un outil de veille commercial. Voilà. Madame Belhafessam, je voulais juste ajouter par rapport à l'objectif, oui. Ouais. Et oui. Au plus apporté au sein de nos entreprises. Donc voilà, je voulais ajouter par rapport, on le disait tout à l'heure, par rapport aux PME. En 2011, par exemple, nous avions 660 000 entreprises, dont 45 PME. Nous avons une autre statistique qui dit que chaque année, nous avons 30 000 PME qui ferment. Quelle est la raison? Nous pouvons citer en premier lieu, comme le disait notre collègue Mohand, l'implication de l'État. L'État ne s'implique pas de façon globalisée. Il y a des actes isolés.
Cependant, il n'y a pas une vraie synergie qui pousse les entreprises à aller vers cette optique de PME. Mmh. Nous avons un deuxième obstacle qui est celui de la distance. Nous avons toujours des managers, des leaders, des directeurs qui sont sur leur optique de centralisation. On ne décentralise pas. On n'est pas proche. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut exploiter les PME, étant donné qu'on n'a pas un grand nombre d'employés. Donc il peut y avoir une proximité. Et à partir de cette proximité-là, opter pour le partage, la transparence aussi, qui est très importante, dans la confiance, dans l'avancement, l'innovation, le management participatif, et opter donc pour l'innovation. Et à partir de ce moment-là, on pourra créer une culture d'entreprise. Et l'entreprise pourra s'épanouir. Mmh. Aussi, en troisième lieu, toujours par rapport aux PME, il y a une confusion entre intelligence économique et veille. On fait de la veille, on récolte de l'information. Après, il ne s'agit pas d'avoir de l'information. Il s'agit de la qualité et non de la quantité. Sinon, on va finir par s'embrouiller. Il faut une information ciblée, stratégique, orientée, organisée, actuelle et pertinente. Mmh. C'est cette information-là qu'on va non seulement pas garder et protéger, mais aussi l'utiliser à notre avantage, pour percer dans le domaine, pour contrer les concurrents, etc. Quelles sont les lacunes, Madame Ladjouzi, que rencontrent nos PME, plus précisément en matière d'application du concept de l'IE? Effectivement, donc en fait, il y a plusieurs obstacles pour nos PME en ce qui concerne l'intégration de la veille stratégique et ou de l'intelligence économique. Alors, à mon avis, la première problématique, c'est qu'en fait, chez nous, on n'a pas une culture d'intelligence économique. Donc, à mon avis, c'est la première problématique. Mmh. Alors, deuxièmement, il y a également le manque de sensibilisation par rapport à ce domaine. Troisièmement, des infrastructures inadéquates, probablement pour les PME. Alors, il y a un autre obstacle, en fait, dont M. Belkacemi vient de parler, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de PME qui font de la veille, mais d'une manière informelle. Alors, d'où, justement, la nécessité d'officialiser, de formaliser ces cellules de veille stratégique d'intelligence économique. Alors, il y a autre chose, c'est en fait l'inadéquation en matière d'utilisation des technologies d'information et de communication. Mmh. Alors en fait, il y a une étude très récente qui a été publiée, ça fait 5-6 jours. Alors elle parle de la veille stratégique et du système d'intelligence économique en Algérie. Alors l'étude souligne que 60% des chefs d'entreprise algériens du secteur PME n'ont jamais utilisé Internet. Alors d'où la gravité des choses. On est en 2014, les choses avancent tellement, Internet est sans doute un outil primordial, voire incontournable de la veille stratégique, voire même de l'intelligence économique. Alors ça, c'est pour les 60% qui n'ont jamais utilisé Internet. Alors pour les 40% qui restent, il y a seulement 15% d'entre eux qui utilisent Internet d'une manière régulière. Donc ça c'est d'un côté, d'un autre côté juste par rapport au manque de structuration des cellules de veille, donc en fait en Algérie nous n'avons pas encore accumulé de l'expérience nécessaire dans le domaine de la veille. Mmh. Et donc probablement nos chefs d'entreprise, des PME, hésitent sur le type de structure à mettre en place. Oui. Donc l'entreprise algérienne fait face à une rude concurrence alors que notre économie, comme on le sait, reste dangereusement dépendante de la rente pétrolière. Comment justement la pratique de l'intelligence économique peut-elle aider nos entreprises, Madame Haddad, ou Monsieur Belkacemi peut-être? Comment peut-elle aider? Comme je l'ai déjà expliqué tout à l'heure, théoriquement, qu'est-ce qu'elle permet, que permet cette intelligence économique? Elle permet de faire de l'innovation. Voilà. Innover, celui qui n'innove pas, il meurt. Il est mourant sur le marché, c'est automatique. Et comme vous savez, l'Algérie est classée 138e sur 142 en matière d'innovation. Nous souffrons de lacunes graves en matière d'innovation. Et de concurrence aussi. Et de concurrence de plus en plus rude. Oui. Et justement, pour rompre la dépendance. Voilà. Voilà, pour rompre cette. Voilà. Tout d'abord. En hydrocarbures. Voilà, exactement. Ce qu'il faut faire, c'est d'encourager les entreprises à innover de plus en plus. Comment les encourager? Il faut mettre en place un dispositif d'intelligence économique d'abord. Il va les chapeauter en matière d'information. C'est ce qui a été fait, par exemple, en Allemagne. Je prends toujours cet exemple parce que l'Allemagne, je peux juger que leur dispositif d'intelligence économique est l'un des plus performants dans le monde et le plus performant en Europe, contrairement à ce qu'on pense actuellement en Algérie. Parce qu'en Algérie, ce qu'on essaye de faire maintenant, c'est d'importer le mode d'intelligence économique français.
Voilà. Alors que si vous savez bien, la France a perdu beaucoup de parts de marché. Justement. Alors une balance commerciale déficitaire. C'est pas le bon exemple pour le moment. C'est pas le bon exemple à prendre. Oui. Deuxième remarque à faire, c'est que c'est vrai que on a toujours tendance à parler de l'État, la présence de l'État dans l'intelligence économique. L'exemple allemand a démontré que même les entreprises peuvent faire de l'intelligence économique sans passer par une aide gouvernementale ou étatique. C'est l'exemple du Land de Baden-Württemberg, dont la capitale est Stuttgart. C'est le Land ou l'État le plus innovant au sein de la République fédérale d'Allemagne. Voilà. Si on prend cet État à lui seul, il peut être le champion du monde. Il peut même devancer le Japon et les États-Unis. Que font-elles ces entreprises-là? Elles ont créé un réseau qui s'appelle IDW. C'est un centre composé d'experts, universitaires, étudiants, économistes, journalistes, qui ont mis en place un service d'information. Ils font de la veille au service de toutes les PME, les petites PME de ce land-là. Et c'est ce qui a permis à l'Allemagne d'être la championne de l'innovation au sein de l'Union européenne. Et c'est ce qui doit être fait en Algérie. Nous devons créer ce centre-là, sensibiliser les entreprises, les PME, les former avec une formation adaptée. Et c'est comme ça que l'innovation va être un vecteur d'efficacité, de réussite commerciale, à mon avis. Merci. Monsieur Belkacemi. Nous allons nous arrêter un court moment, juste le temps de passer un flash d'information. Rendez-vous dans la deuxième partie de Jeudi Économie. Jeudi économie. Jeudi économie. Jeudi économie. 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 Finance. Madame, monsieur, bonjour, est avec vous aussi la Bouhabide. Poursuite des travaux de la 17e conférence ministérielle du mouvement des non-alignés, toujours au Palais des Nations à Alger. Les participants à cette conférence examinent les contenus du projet, du document final élaboré par les hauts fonctionnaires du mouvement à l'issue de leur réunion préparatoire. Lakhdar Brahimi, l'émissaire des missionnaires des Nations Unies et de la Ligue arabe pour la Syrie, a fait état à Alger d'un optimisme mesuré concernant la résolution du conflit en Syrie. Brahimi a souligné par ailleurs l'importance de la 17e conférence ministérielle des pays non alignés. L'ambassadeur du Liban en Corée du Sud a trouvé la mort ce matin dans un accident de la route à Séoul. Jahad Saïd Al-Hassan, le plus haut diplomate libanais en Corée du Sud, est décédé lors de son transport vers un hôpital de la capitale, précisant que l'accident avait eu lieu à midi, à 12h08, heure locale. Sa voiture a heurté un autre véhicule dans le centre-ville, a ajouté la source, notamment que deux autres personnes installées à l'avant du véhicule ont été également blessées et transportées à l'hôpital. Des quantités supplémentaires de viande rouge seront importées avant le mois de Ramadan pour répondre à la forte demande et freiner l'envolée des prix, a indiqué hier le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Abdelwahab Nouri. Nouri, qui s'exprimait en marge de l'ouverture de la Foire internationale d'Alger, FIA, a précisé que des quantités supplémentaires de viande rouge congelée seront importées durant les prochaines semaines d'Inde et du Brésil, afin de les écouler durant le mois de Ramadan à des prix allant de 400 à 600 dinars le kilogramme. Midi 32 minutes sur Radio Algérie Internationale. C'est la fin de ce point d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous laisse à présent avec Esma Zig et ses invités pour la deuxième partie de Jeudi Économie. Excellente écoute. Bienvenue dans la deuxième partie de Jeudi Économie. Le développement de l'intelligence économique en Algérie est primordial pour les entreprises algériennes confrontées à la mondialisation et une concurrence accrue. Les entreprises algériennes doivent donc intégrer le processus de l'intelligence économique dans leur management afin d'améliorer leur compétitivité et suivre les mutations économiques mondiales.
L'intelligence économique est-elle appliquée au sein de nos entreprises? C'est le sujet de ce jeudi économie. Mes invités sont Ben Hafesam Zobida, doctorante à l'école des hautes études commerciales. Est avec nous également Belkacmi Mohanda Mokaran, maître assistant à l'école des hautes études commerciales. Est avec nous également Iman Haddad, maître assistante à l'école des hautes études commerciales. Est avec nous également présente dans le studio Ladjouzi Soumia, doctorante à l'école des hautes études commerciales. Donc, comme évoqué dans la première partie, l'entreprise algérienne fait face à la concurrence et notre économie reste quand même très dépendante de la rente pétrolière. Comment la pratique de l'intelligence économique peut-elle aider nos entreprises à rompre cette dépendance, Ben Hafesam? Justement, par rapport au pétrole, comme vous on le disait, la rente pétrolière représente 98% de nos revenus. Tout à fait. Nous n'avons pas une culture d'exportation. Or, nous avons ce qu'on appelle un grand manque à gagner. Pourquoi je parle de manque à gagner? Parce que nous sommes un pays riche par rapport à notre situation géographique, par rapport à nos ressources naturelles, oui. Mais surtout par rapport à notre ressource humaine. Au potentiel, oui. Au potentiel, oui. Étant donné que 70% de la population algérienne est... sont jeunes. Oui. Vous savez, c'est vraiment énorme. C'est une ressource que l'on peut exploiter. J'ai eu d'ailleurs un entretien avec la vice-présidente d'une entreprise privée algérienne qui emploie environ 2000 employés, 2000 collaborateurs, et qui disait que la vraie ressource de l'Algérie n'est pas son pétrole, mais sa jeunesse. Oui. On parle d'intelligence. On a beau avoir tout le matériel technologique, toutes les méthodes, tous les logiciels, mais si on n'a pas la ressource... Le facteur humain reste quand même exactement, le plus important. Qui va les mener à bien? On a beau avoir des robots intelligents au Japon, par exemple. Qui a mis en œuvre ces robots? C'est toujours l'humain. Pourquoi on fait de l'intelligence économique? Pourquoi on fait de la veille? Pour récolter des infos, pour les analyser, pour les partager et les utiliser, pour les exploiter, oui. Pour avancer sur le terrain. Quand on veut avancer, on doit comprendre et se différencier. Et le secret de cette différenciation, c'est l'innovation. Oui. C'est à partir du moment où l'on pourra innover que l'on pourra parler d'intelligence économique. Mmh. Et il faut donc mettre en œuvre. Et je pense qu'il faudrait modeler un employé algérien, un collaborateur algérien, expérimenté et innovateur. Mmh. Il faut collaborer entre les gens qui ont de l'expérience et les gens qui sont nouveaux dans le domaine, ils peuvent apporter des idées. Oui. Les gens expérimentés peuvent leur apporter tout ce qui les aidera dans la réactivité. Ou même faire appel peut-être à l'expertise étrangère, pourquoi pas. Hein. Mais que cette expertise algérienne soit utilisée à notre avantage. Mmh, et non sûr. Pas aux avantages de nos collaborateurs, bien entendu. Oui. La Josie, vous voulez peut-être ajouter? Alors oui, je voulais juste donner mon avis par rapport au cas de l'Algérie. Donc en fait, en Algérie, à mon avis, bien sûr, nous sommes toujours dans la vision monopoliste, mais surtout dans la vision de centralisation des informations. Mais nous sommes dans une période transitoire. Alors ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, en fait, on ne peut pas utiliser les mêmes outils, je dirais, étrangers, de la même façon qu'eux. Et donc, à mon avis, on doit bâtir un système d'intelligence économique propre à notre contexte, à nos problèmes, à nos besoins, aux besoins de nos PME en termes d'informations, etc., mais aussi et surtout propre à notre culture. Mm-hmm. Monsieur Belkacmi? Voilà, je voulais juste rajouter qu'il faut créer plus de cyberparcs. L'Algérie dispose par exemple du cyberparc de Sidi Abdallah. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne voit pas trop ce qu'il fait en matière d'innovation. Mm-hmm. Voilà, c'est un cyberparc qui est quand même gigantesque. Mais malgré ça, sachez bien qu'il y a des entreprises qui arrivent à innover, qui arrivent à un petit peu à surmonter ces obstacles-là. Il y a une petite entreprise, par exemple, à Bijaya, j'ai entendu parler qu'ils exportent des petites pièces détachées pour l'entreprise Boeing aux États-Unis. C'est quand même une fierté pour l'Algérie. Donc, pourquoi ne pas essayer d'aider encore plus ces PME-là à aller vers l'étranger? Voilà, c'est une question qu'on se pose. Oui. Voilà. Ce que je voudrais juste ajouter, c'est par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, qu'on essaye d'utiliser la technique française, qui n'est vraiment pas efficace en ce moment. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est qu'en termes d'intelligence économique, on a comme référence l'Allemagne, les Royaumes-Unis et aussi le Japon. Alors pourquoi, comme le disait M. Alain Juillet, qui est l'un des pionniers de l'intelligence économique en France, et qui a d'ailleurs repris une entreprise qui était en faillite,
qu'elle ait déposé le bilan. Cette entreprise était composée de collaborateurs de 20 nationalités différentes. Oui. Et il a essayé d'utiliser ceci pour essayer de comprendre leur culture, la culture de chaque pays, aller même à visiter, voir leur économie, leur mode de vie, leur histoire, pour les utiliser comme un facteur clé. Mmh. Et à partir de ce moment-là, il a donc pu sauver cette entreprise-là. Donc pourquoi ne pas faire du benchmarking et prendre le côté positif de chaque optique d'intelligence économique afin de l'appliquer en Algérie, par exemple. Mmh. Est-ce que justement nous avons le potentiel humain qualifié et bien formé pour atteindre l'objectif hein, qui est de bâtir une économie intelligente digne de ce nom, Madame Ladjouzi? Alors en termes de formation, je dirais en fait qu'il y a un manque flagrant en termes de formation dans le domaine de la veille stratégique et de l'intelligence économique. Alors d'où le manque de spécialistes justement dans le domaine de la veille stratégique et de l'intelligence économique, et c'est un oui. obstacle justement pour nos entreprises. Mmh. Voilà. Monsieur Bekassi. Voilà, je rejoins totalement mademoiselle Ladjouzi, merci pour votre intervention. S'agissant de la formation, l'Algérie ne dispose que de 4 à 5 instituts spécialisés dans la formation d'intelligence économique. Vous avez tout d'abord l'UFC, l'Université de la formation continue. Il y a l'ISGP qui forme un petit peu les entreprises maintenant. Ils ont lancé un master spécialisé. Il y a l'INSIM et un autre institut que j'ai oublié. Sachez qu'au niveau de notre école, nous avons pris l'initiative de disposer à nos étudiants un module d'intelligence économique. Mais cela, nous restons toujours en retard. En France, par exemple, on a commencé à former en intelligence économique depuis les années 90. Oui. Et le module d'intelligence économique est enseigné à toutes les disciplines, que ce soit commerce, médecine, droit, etc. En Allemagne, par exemple, il y a un module patriotisme économique et veille stratégique qui est enseigné au lycée. Donc, vous voyez un petit peu le retard que nous avons à rattraper. Voilà. Oui. Voilà, je rajoute juste autre chose. Il y a une autre école, Monsieur Belkacemi. Ouais. Alors, c'est l'École nationale supérieure de management, ENSM d'Alger Centre, qui offre quand même un master professionnel dans le domaine de l'intelligence économique. Un plus pour nos chercheurs et nos formateurs, futurs formateurs également. Donc, quelle est la meilleure stratégie à adopter pour garantir une efficacité maximale aux entreprises locales? Je pense que tout d'abord, il y a une coupure totale entre ce qui est formation et domaine pratique. Mmh. Nous avons des étudiants très compétents, diplômés, mais qui ne sont pas, que les entreprises ne réclament pas. Ne les sollicitent pas aussi. Ils ne sont pas sollicités aussi. Oui. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas présentés, il y a une vraie coupure. Si on va par exemple, si on voit les stages pratiques que font les étudiants au Japon, en Allemagne, aux États-Unis, on est fait dans les entreprises qui vont nous recruter. Et ce sont les écoles supérieures, les universités et les facultés qui s'en chargent. Mmh. Aussi par rapport au recrutement. Souvent, il n'y a pas un recrutement vraiment objectif. Aussi, quand cet étudiant-là est dans le domaine de l'entreprise, il voit qu'il y a une grande différence entre la théorie et la pratique. Oui. Or, ça peut créer un blocage. Mmh. Et à partir de ce moment-là, je pense que le point de départ serait vraiment de voir, surtout par rapport au LMD, pourquoi on n'est pas à ce système LMD? C'est pour former de plus en plus d'employés aptes à intégrer des entreprises, à être performants, etc. Mmh. Mais si cette barrière-là reste coupée, je ne vois pas comment on pourra passer l'étape et en arriver là. Monsieur Belkacemi, voilà, je voulais juste rajouter que ce qu'il faut faire maintenant, c'est de créer une synergie entre les pouvoirs publics, les entreprises, les centres de recherche et les universités. Nous devons tous travailler ensemble pour une économie indépendante, prospère, avec une pleine croissance. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'en Algérie, nous avons un grand manque en matière de collaboration entre l'université et l'entreprise. L'étudiant est exposé à plusieurs modules théoriques, sans faire beaucoup de stages dans certaines universités. L'entreprise refuse parfois de recevoir les étudiants pour des stages, pour des recherches, etc. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut expliquer aux universités que la formation pratique est très très importante. Ils doivent les former, ils doivent leur faire davantage de stages à leurs étudiants. Les entreprises doivent les accueillir. Pourquoi les accueillir? Parce que ces étudiants sont tout d'abord, quand ils font leur stage, tout d'abord, ils donnent parfois des initiatives, ils donnent des idées innovantes pour les entreprises. Les chercheurs essayent de répondre à certaines problématiques des entreprises. Contrairement à ce qui se passe maintenant,
Vous demandez n'importe quelle information à l'entreprise, ils vous disent que c'est confidentiel. Une petite information sur un chiffre d'affaires, ils vous disent que c'est confidentiel. Or, que dans les pays, et certains pays qui sont plus avancés que nous, ces informations blanches doivent être tout simplement publiées dans les sites Internet tous les jours. Mmh. Voilà. Madame, justement, Ladjouzi, pourquoi ce problème ou cette relation qui est un petit peu, disons, timide entre l'entreprise et l'université? Alors, entre l'entreprise et l'université, alors parmi les problèmes majeurs, je dirais l'accès limité à l'information de la part des entreprises. Alors, l'information qu'on cherche, elle est confidentielle, qu'on vient de dire Monsieur Belkacemi. Oui. Et le problème majeur, c'est que même pour les doctorants, les doctorants, ils trouvent énormément de difficultés pour accéder aux stages pratiques. Et mm-hmm. je parle par expérience, parce qu'on a des amis, etc., dans le milieu. Alors, la solution, en fait, c'est d'abord créer une base de données. Et les chercheurs insistent sur l'idée. Alors, créer une base de données actualisée surtout. Mm-hmm. Madame Belhafissa. Je pense aussi qu'il y a un manque de proximité. Là, c'est vrai qu'on parle de faculté, de niveau supérieur, etc. Mais après, l'Algérie a beaucoup de jeunes qui ont des dents. Peut-être qu'ils n'ont pas opté pour des études universitaires, etc. Mais on peut, par exemple, exploiter le savoir-faire de ces jeunes, leur côté relationnel. Par exemple, on est en plein lancement d'une optique touristique. Mm-hmm. On peut, à partir de ce moment-là, les intégrer dans tout ce qui est côté touristique, etc. Mm-hmm. Il faut être à l'écoute de ces jeunes-là et mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Oui, nous allons nous arrêter un court moment, juste le temps de passer le rappel des titres de l'actualité. Les travaux de la 17e conférence du mouvement des non-alignés se poursuivent au Palais des Nations. Pour la deuxième journée, un document final doit sanctionner les discussions sur nombre de sujets politiques et économiques. Des quantités supplémentaires de viande rouge congelée importée d'Inde et du Brésil en prévision du mois de Ramadan. Les prix seront fixés entre 400 et 600 dinars selon le ministre de l'Agriculture, Abdelwahab Nouri. L'Ukraine a jusqu'à ce soir pour rembourser 2 milliards de dollars à la Russie selon un plan proposé par l'Union européenne. Et puis, clôture du 8e Festival national de la musique d'Iwen. Les 14 formations en lice seront départagées ce soir. Et enfin sport, l'équipe nationale s'envole aujourd'hui pour la Suisse où elle effectuera un deuxième stage de préparation à quelques jours du mondial. Bienvenue dans la dernière partie de votre émission économique, jeudi économie consacrée ce jeudi à l'intelligence économique et au concept donc de l'intelligence économique au sein de nos entreprises. Justement, où en est l'Algérie avec l'intelligence économique, Monsieur Belkacemi? Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes très en retard en matière de pratique de l'intelligence économique. Nous devons faire plus d'efforts pour créer un système cohérent, un système cohérent d'intelligence économique au service de notre tissu industriel. Mmh. Sur quel modèle, justement, on pourrait prendre exemple? Voilà. Il ne faut vu pas le potentiel, voilà, vu le potentiel que nous avons, voilà. Il ne faut pas qu'on copie les modèles étrangers. Il faut s'inspirer des modèles. C'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Voilà. Mais nous avons eu cette tendance à le faire. Nous devons nous inspirer de certains modèles. Nous devons faire un benchmarking et nous inspirer, adapter certains modèles. Les modèles qui marchent le plus, ce sont généralement les modèles japonais et les modèles allemands. Et même pas américain, parce que les Américains, dernièrement, on a démontré que leur intelligence économique s'est basée sur l'espionnage, notamment l'écoute téléphonique des gouverneurs européens. Oui. Donc, inspirons-nous des modèles japonais et allemands, beaucoup plus, je dirais. C'est plus sage, voilà. Madame Belhafissam. Je pense aussi, je rejoins mon ami Mohamed sur ce qu'il a dit par rapport au benchmarking. Nous pouvons prendre ce qui est positif, mais aussi ce qui est important, c'est de le personnaliser. Parce qu'il est important de maîtriser les facteurs clés de succès des différents domaines, mais aussi de transmettre cela à nos entreprises afin de les adapter à notre culture et aussi à nos potentiels, à ce dont nous disposons, bien sûr.
Avec une décennie d'existence timide en Algérie, l'intelligence économique est une discipline peu connue des académiciens, aussi des économistes. Quel est le vrai problème, selon vous, M. Belkacemi? En matière de connaissances, en matière d'intelligence économique. Oui. C'est-à-dire, vous parlez des académiciens ou des... Des économistes également. Des économistes. Bon, je ne dirais pas que les économistes algériens ne connaissent pas ce concept. Justement, quel est le problème? Non, c'est-à-dire, maintenant, ce qu'il faut faire, il faut qu'on passe à l'action. C'est-à-dire, il faut qu'on arrête de parler trop, de passer à une autre étape. C'est-à-dire, nous avons tendance à faire beaucoup de conceptualisation sur l'intelligence. L'application sur le terrain reste quand même peu développée et difficile, peut-être, au sein des entreprises. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est de faire des plans d'action pour que le concept d'intelligence économique puisse émerger en Algérie. Oui, Madame Raffa fait ça. Justement, par rapport à cela, il est bien de mettre des plans sur papier. Nous avons des experts pour cela. Nous disposons de beaucoup de chefs d'entreprise, de managers, même de collaborateurs qui peuvent établir des plans et apporter quelque chose pour cette intelligence économique. Après, le blocage, c'est au niveau de la mise en œuvre. Pourquoi au niveau de la mise en œuvre? Déjà, nous avons un grand problème. Nous pouvons importer un matériel technologique, mais ce matériel technologique-là est souvent obsolète, très vite. Très vite, nous faisons face à l'obsolescence. Et donc, il faut importer un autre matériel, parce que nous ne l'avons pas au moment voulu. Aussi, il n'y a pas des mesures d'accompagnement. On a par exemple des scanners, des différents appareils dans les hôpitaux, mais qu'on ne sait pas manier. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu d'accompagnement. Et à partir de ce moment-là, ça va créer un blocage qui va engendrer beaucoup de conséquences, qui vont peut-être même affecter l'image de l'entreprise. Oui. Très bien. Alors, il faudra, à mon avis, surtout inciter les entreprises algériennes à mettre d'abord des cellules de veille stratégique. À partir de là, par la suite, on pourra passer à des pratiques plus élaborées telles que le lobbying, par exemple. Il y a aussi, donc, on parlait tout à l'heure, Monsieur Belkacemi, de la confusion. Donc, rares sont les chefs d'entreprise qui accordent à ce concept tout l'intérêt qu'ils méritent en raison de la confusion qui est faite entre l'intelligence économique et l'espionnage, qui utilisent quand même des procédés illégaux pour avoir l'accès à l'information. Différence est flagrante, mais la confusion reste quand même énorme. Voilà. L'intelligence économique, parce que généralement, économiquement parlant, on parle de trois types d'informations. Il y a l'information blanche, l'information grise, l'information noire. Cette information noire, c'est une information à laquelle il ne faut pas toucher. Si on touche à cette information, on parle d'espionnage. D'espionnage, et l'espionnage est illégal. Bien sûr. Voilà. Certains pays, notamment les États-Unis, qui sont de plus en plus accusés d'espionnage, cherche la facilité. Les Chinois également. Par exemple, en Chine, on a engagé 1 million d'agents d'espionnage au niveau de l'Europe. Que font-ils ces gens-là? Au lieu d'investir de l'argent pour acquérir les connaissances de certaines entreprises, notamment les entreprises les plus innovantes, ou d'acquérir carrément les usines de ces entreprises-là, de les intégrer dans leur groupe, ils cherchent la solution la plus facile. Plus facile, moins chère et plus rapide. Il s'agit de l'espionnage. L'espionnage industriel n'est pas dans le domaine de l'intelligence économique. C'est une activité illégale. Oui. Madame El Hafissam. Je pense aussi qu'il faudrait ajouter la veille informationnelle, de laquelle on parle vraiment très peu, mais il y a beaucoup d'entreprises qui ont instauré des cellules de veille informationnelle. C'est-à-dire? Nous n'avons pas, je vais vous donner un exemple d'ailleurs, nous l'avons vu lors des élections par exemple. Nous avons une cellule spécialisée dans tout ce qui est médias. Ce qui se dit sur l'entreprise au niveau des médias, ce qui se dit par rapport à nos concurrents, ce qui se dit aussi par rapport à notre marché. Nous pouvons aussi aller côté client, comme je le disais tout à l'heure, niveau réseaux sociaux, etc. Nous pouvons aussi employer des clients mystères. Tout cela peut faciliter à l'entreprise son accès à ce marché-là et donc le commencement de l'application de cette veille stratégique et donc intelligence économique qui reste stagnée sur le côté bureaucratique, on va dire. Madame Latoussi. Alors moi, je voulais juste, c'est-à-dire à titre d'information, donner un exemple. En fait, les entreprises japonaises utilisent en moyenne plus de 2,5% de leur chiffre d'affaires dans la veille technologique et concurrentielle.
Ce qui montre l'intérêt. Exactement, l'intérêt porté à la veille. Justement, le secteur privé demeure réticent et n'adhère pas encore à cette démarche. Qu'y a-t-il lieu de faire pour l'inciter à adopter quand même l'intelligence économique? Je crois, je n'ai pas de chiffres sur moi, mais le secteur privé, je crois que c'est le secteur qui fait plus de veille que le secteur public. Exactement. Si on donne l'exemple de Cévital, c'est un groupe qui s'est développé rapidement. Ça reste une entreprise dont l'Algérie est fière maintenant. Ils sont même passés à une autre étape. Ils sont en train de racheter des entreprises européennes. À l'exemple de Brandt, l'entreprise française Brandt. Ces entreprises-là ont en plus ressenti le danger économique qui peut provenir de l'étranger, des entreprises étrangères, que des entreprises publiques. Je crois que ces entreprises-là qui pratiquent la veille d'une manière plus quotidienne que les entreprises publiques. Mmh. Mais il y a quand même plusieurs conventions de collaboration au nombre d'une dizaine qui ont signé donc avec des entreprises publiques pour les solliciter justement à intégrer au concept, pas la présence du secteur privé. Voilà, je crois que ça doit être une faille, mm-hmm. ne pas intégrer les entreprises privées à ces choses-là. Donc la réalité est tout autre, selon vous. Voilà, je crois, selon moi, elle est tout autre, comme vous dites. Mm-hmm. L'Algérie n'a pas assez de formateurs dans le domaine de l'IE. Au niveau du ministère, leur nombre ne serait dépassé les 10, comme vous venez, peut-être une dizaine, comme vous venez de le signaler auparavant. Peut-on justement aller aujourd'hui vers les objectifs tracés alors qu'un déficit est enregistré dans ce domaine, Madame Al-Hafissam? Je pense que le problème de ce déficit, là, je pense qu'il n'y a pas vraiment eu une bonne veille, ni l'utilisation d'une bonne intelligence économique, parce que nous avons du potentiel en Algérie. Nous avons beaucoup de formateurs au sein des universités, au sein des entreprises. On ne manque pas de ça. Mais après, sont-ils sollicités? Mm-hmm. Nous avons beaucoup de nos enseignants. Nous connaissons beaucoup de gens dans des entreprises qui n'ont pas été sollicités. Et pourtant, ils en ont du potentiel et on les sollicite pour nos travaux, de doctorat, de magistère ou même de licence. Je pense que le problème se pose à ce niveau-là. C'est qu'on ne contacte pas souvent, on ne fait pas souvent une veille qui nous permettra d'acquérir ce potentiel-là et donc de le partager et de l'exploiter. Surtout, justement, une convention de coopération portant sur la formation des cadres des entreprises, Madame Ladjouzi, comme on l'a donc évoqué, des entreprises industrielles dans l'intelligence économique a été signée. Est-ce que vous constatez des résultats positifs ou négatifs sur le terrain, Monsieur Belkacmi, peut-être? Je crois que pour le moment, on ne peut pas dire si cette convention a apporté ses fruits ou pas. Il faut attendre un petit peu, voilà. Donc, je pense qu'il faut attendre aussi, mais comme vous l'aviez dit tout à l'heure, dans le domaine privé, on avance. Mais on avance vraiment parce qu'on opte pour un management moderne. Mm-hmm. Contrairement au domaine public où on est toujours dans la gestion classique, dans le côté bureaucratique, etc. Mais dans le côté privé, on opte pour un management moderne. Mm-hmm. On utilise beaucoup de nouvelles technologies. On incorpore l'humain, on le forme, on s'ouvre à l'international, on fait même des conventions. Oui. Je peux vous citer plusieurs exemples, Africars, SECOM, etc. Mm-hmm. Et donc, je pense qu'on est en train d'avancer, mais que c'est encore prématuré pour voir si on a atteint nos objectifs. Et je pourrais dire qu'on n'est pas encore concurrentiel sur le niveau international. Mm-hmm. Moi, je dirais en fait, à mon avis, en Algérie, nous n'avons pas encore ni l'expérience suffisante, ni les informations nécessaires pour donner justement un jugement précis sur l'efficacité de notre système d'intelligence économique. Oui, monsieur. Ce que je voulais ajouter aussi, c'est qu'il ne faut pas avoir une vision à court terme. Investir dans l'intelligence économique, c'est une démarche qui prend du temps, dont les retombées ne n'auront lieu qu'après 10 ans en moyenne. Donc nous devons attendre un petit peu. Les managers algériens doivent avoir une vision à long terme. On a beaucoup parlé donc des lacunes ou des problèmes pour l'application du concept de l'intelligence économique. Quelles sont, selon vous, peut-être les solutions, Madame Ladjouzi? Très bien. Alors, en fait, à mon avis, alors l'environnement algérien est caractérisé par plusieurs freins. Enfin, parmi les deux freins les plus importants, d'abord la faiblesse des systèmes d'information et le manque de spécialistes dans le domaine de la veille stratégique et de l'intelligence économique. Très bien. Alors face à ces deux constats, alors parmi les solutions préconisées, avant tout, mettre les systèmes d'information au cœur de la démarche de la veille stratégique et de l'intelligence économique. Et faire face à l'accès limité de l'information. Alors ça, c'est d'un côté. Alors d'un autre côté,
Donc, en fait, élaborer des plans de formation adaptés aux besoins de nos entreprises. Alors, parmi les solutions préconisées également, M. Belkacmi a parlé tout à l'heure, donc la coopération renforcée entre l'État et le secteur privé, également entre l'entreprise et l'université. Donc, oui. Les actions de sensibilisation, pourquoi pas l'introduction dans les programmes de radio, de télévision, des émissions sur la veille stratégique, l'intelligence économique, etc. Madame Belhafissa, brièvement. Oui, je pense aussi qu'il faudrait intégrer et incorporer la jeunesse, les étudiants aussi, à tout ce qui est programme, séminaire, colloque, etc. Et axer beaucoup plus. Vulgariser au maximum. Exactement, et axer beaucoup, beaucoup plus sur le côté humain. Je ne suis pas d'accord pour dire qu'on ne dispose pas d'informations. Je vous donne... Mais ces outils-là, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ne sont pas bien exploités dans l'outil humain. On parle beaucoup de hackers algériens qui ont été pris, etc. Mais pourquoi pas utiliser ces hackers-là? Non pas pour l'espionnage, mais pour créer des logiciels, des méthodes. Pourquoi on laisse d'autres pays nous voler le potentiel algérien? Belkacmi, pour terminer. Voilà, pour terminer, je crois qu'il faut créer une synergie entre les entreprises et les universités, renforcer le système national de production de l'information, mener des actions de sensibilisation en matière d'intelligence économique. Je crois aussi qu'il faut créer de nouveaux pôles technologiques, mener des études stratégiques au service de l'économie nationale. Merci, Monsieur Belkacmi.